Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très bien. Les gars, on se retrouve sur le compte Pay to Win aujourd'hui et au programme. Comme d'hab, on a ouvert les plus gros packs possibles dans la boutique. Et après cela, on a été ouvrir le pack icône. Après l'avoir ouvert sur le compte à 0€ et avoir eu un résultat plutôt concluant, on s'est essayé sur le compte Pay to Win. Et vous allez voir un petit peu dans cette vidéo ce que j'ai eu. Vous allez voir un petit peu que l'équipe aussi, elle est juste incroyable. Hein. Je vous la montre vers la fin de la vidéo. Il faut vraiment que sur ce compte, on fasse un fut champion. Parce que c'est vrai que je joue très peu. On avait fait beaucoup de matchs au début. On était monté en 10-4. C'était début octobre, je crois, truc comme ça. Et après, j'ai pas trop rejoué. C'est un peu bête, hein. C'est comme si tu avais des bagnoles au garage et que tu les utilisais pas. Ben là, on a des bons joueurs et on les utilise pas. Du coup, on essaiera ces prochains jours de jouer sur ce compte et pourquoi pas de faire un FUT Champions. En tout cas, les gars, moi, je vais vous laisser avec cette vidéo en vous souhaitant du coup un bon visionnage. Et à très vite. Ça y est, les premiers crédits IFC 24 Ultimate Team sont disponibles. Si tu veux te faire plaisir dès le début du jeu, n'hésite pas à check la description et n'oublie pas le code AXOSKILL pour une grande réduction. Allez, donc on va ouvrir le pack Premium début de saison, le pack Esprit Pionnier et le pack Esprit Pionnier Deluxe. On commence par le premier, le pack Esprit Pionnier Deluxe avec 10 attaquants, 10 milieux, 10 défenseurs ou gardiens. 30 éléments qui sont bien sûr non échangeables. Après, on a des choix aussi. Allez, c'est parti les gars. Oula, c'est qui ça? C'est pas terrible. Minko. Il est pas animé, si. Ah, double anime. Double anime, ok. Bon, bah pour le pack icône, c'est bien. Et derrière, ça met du temps. C'est qui, elle? Schuller. Bon. Double anime. Double anime dans le premier. Ça commence pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Pas de Mendy, pas de... Ouais, bon. Ouais, moyen, moyen. 15 balles, le pack, quoi. Beaucoup de doubles. Allez, le choix. Bah Mahrez, oh putain, ça c'est la régalade Mahrez. Ça c'est bien, on va pouvoir le tester. Allez, le pack premium début de saison et le pack esprit pionnier. On va se faire celui-là, il y a 30 éléments, dont 1,85+, et des choix de prêt. Encore et toujours avec des icônes, des heroes. Ça c'est bien, mais bon, faudrait qu'on les teste hein, à un moment. C'est bien beau, mais on teste rien. Pas de carte event. Allez. Oh putain, c'est nul. C'est elle, elle tombe souvent. Ah, Sauerbrune. Derrière, on a Sommer. Et oh putain, celui-là, il est zéro. Celui-là, il est zéro. Oh putain, celui-là, il est zéro. Celui-là, il est bien zéro. Allez, on a les choix. Prêt, icône et Heroes. Allez, on est parti sur le Heroes. Et ça va être qui? Oh putain, magnifique. Lucho entier pour un fut champion. Je pense qu'avec tous mes joueurs de prêt, ça va être infernal pour mes adversaires. Je pense que là, on pourra faire un sacré fut champion. Allez, icône. Bon, Vampersi, Raoul. Raoul, sacrée carte. Hein. Prendre une capture, vas-y, on va jeter tout ça. Allez, choix joueur boost, tiens. Bon, je sais pas chez vous, mais chez moi... Bon, celui de hier, il était pas mal. Allez, c'est parti. Bon, une note. Oh, bah putain, lui, je le voulais, je l'aurais bien pris sur l'autre compte. Hein. Bon, là, je pense que je vais peut-être partir sur la note. Là. Il est vraiment bon, les gars, pour 10 000 crédits. C'est vraiment une pépite. N'hésitez hein. pas à le tester. Hein. Je vais prendre Hummels parce que je jouerai pas le petit joueur, là. Je l'ai déjà testé. Il nous reste le dernier, le pack Esprit Pionnier Premium, qui contient à peu près pareil, sauf que cette fois-ci, c'est du 82 de gen minimum. Allez, une petite carte de la promo. Là. Putain, j'en ai toujours pas eu, les gars. Hein. Que ça soit sur ce compte ou l'autre, ça veut pas, hein, cette semaine. Allez, c'est parti. Ah, c'est mort. Français. Oh. Oh, Griezmann, mais je l'ai. Allez, derrière une autre. Je l'ai déjà, putain. En plus, il y était la semaine dernière. Allez. C'est qui? Je sais même pas c'est qui, je le reconnais pas. Kimmich. Bon, belle note, hein, Kimmich. Belle note. T'as dommage, Griezmann. Je l'ai déjà. Il va passer dans le pack icône, Griezmann. C'est triste. Oh, Militao. Hernandez. Pas mal. Et en plus, Hernandez, c'est nickel. Parce que j'ai chopé Tomori et Leao. Bon, bah c'est pas mal. Moi, je dis joli. Vraiment très beau parce qu'on a deux très beaux régulars jouables. Allez, les petits choix. C'est des joueurs pionniers. Bon, à défaut d'en avoir dans nos packs en fixe, hein, on en a en prêt. Premier choix de prêt. Je savais même pas qu'il était dans la promo, lui. Di Lorenzo, bon, on prend. Hein, on l'a eu deux fois. Deuxième. Wagner et Vera, ça c'est nul par contre. Allez, on pourra pas faire mieux. Le pack icône. Bon, honnêtement, sur ce compte, j'ai besoin de quoi?
Franchement, pas grand-chose. Si je veux vraiment avoir le truc le mieux, moi, c'est quoi? Balak, hein. Là, j'ai pas les mêmes attentes, tu vois. Sur le compte à zéro, je suis moins difficile. Mais là, bon, on va être un peu plus exigeant. Après, c'est pas grave si j'ai rien, hein, mais bon. On avait pour projet de faire à peu près ça. Oui, oui, l'équipe est pas mal. Après, putain, Cancelo fait chier, j'ai dû perdre. Hein. Ouais, mais il a même pas baissé, Cancelo, c'est dingue. Ouais, de toute façon, on verra. On va se projeter, on se projettera après. On va déjà aller ouvrir le pack. On va faire une prédiction, mais avant toute chose, on va ouvrir les 4 packs, là, qu'on a récupérés. Via justement le pack icône et le SBC Team of the Week qu'on a fait avant. Petit pack prime joueur or. Vendable. Français. DG. Non. C'était un peu gourmand quand même de penser à Mendy et Théo, mais bon. Petit pack joueur Electrum. Allemagne. DG. Du Bayern. Ça, c'est une meuf. Ouais, ça aurait pu être Bacha. Ça va être Gwyn, les gars. Allez, petit pack joueur or et après pack icône. BU El Nesri. Comme souvent, il tombe beaucoup. Balak, ça serait le mieux. Vraiment, Balak, je... Balak et Zambrotta. D'ailleurs, Zambrotta, ouais, il est là. Je sens qu'on va avoir Gattuso. Je sais pas pourquoi, mais Gattuso, je sens qu'on va l'avoir. Allez, c'est parti. Allez. Ah, Hernandez. Bah, vous savez quoi? Moi, je suis pas déçu. Hein. Hernandez, c'est bien. C'est un bon petit buteur agile avec des bons playstyles, les gars. Non, franchement, Hernandez, c'est pas nul, les gars. C'est pas nul. Je préfère 100 fois lui que Rush et Larson. Photo. Vitesse, ok. Bon, finition, c'est bien, hein. Même puissance de frappe, placement, offensivement, c'est bien. En passe, ça, c'est pas terrible. Exter du pied, c'est bien. Tu vois, vu qu'il est mauvais du pied gauche, bah, tu fais un exter. Faut penser, quoi. Et on est à 29. Bon, full invendable quasiment. Il y a juste lui qu'il faut qu'on vende. Et s'il y a Neymar aussi. C'est quand même pas si mal. Tomori d'invendable aussi. Salah 91, tu en penses quoi? Je sais pas. J'ai pas encore joué. Même, on a des crédits, tu vois. Au pire, on essaiera d'acheter des trucs et tout. Ouais, ouais. Après, compte secondaire... Je dis secondaire. Après, bien sûr, ça a la gueule d'un compte principal vu les joueurs. Mais moi, j'accorde beaucoup plus de temps au compte à zéro. Pour moi, c'est plus kiffant. C'est plus kiffant et il y a du challenge. Que là, bon, c'est plutôt un compte où je mets des points, où je fais des pack opening pour le contenu, quoi. On va laisser comme ça pour l'instant. Les mecs, ce qu'on fera, c'est que demain ou mercredi, on fera soit rivals un peu sur ce compte pour jouer, pour tester quand même les joueurs que j'ai eu, soit les playoffs. Il faudra que je fasse un... J'ai toujours pas fait un fut de chambre sur ce compte, en fait. Vraiment, les fut de chambre, je les fais en priorité sur mon compte à zéro pour... Ceci, en fait, sur un compte à zéro, t'es obligé de faire les fut de chambre pour vraiment avoir une équipe qui tient la route. Il y a tellement de cartes qui sortent que sinon, t'es à la traîne. Bon, là, t'as pas besoin en soi de faire fut de chambre, on met des points, quoi. On verra bien, mais on jouera demain sur ce compte.